le moment, il y a eu 1,2 milliard de dinars qui ont été mobilisés pour les startups. Ce n'est pas un chiffre définitif. C'est-à-dire que c'est un chiffre qui va être revu à la hausse progressivement avec l'augmentation de la demande, de l'augmentation des besoins en financement des startups. Je tiens juste à préciser que c'est un fonds d'investissement. Ce n'est pas l'ANAT ex-Angers, ce n'est pas le CNAC, ce n'est pas l'ONGEM. C'est un fonds qui rentre dans le capital de la société, qui va investir sur la start-up, qui va devenir in fine un partenaire de la start-up pendant une durée de 6 ans. Avec bien sûr une politique de sortie à la fin des 6 ans.